C'est dans l'interdit qu'on a trouvé le péché. C'est en essayant de se cacher qu'on a fini par se dévoiler. La première fois qui nous touche le plus, c'est la jeunesse. C'est ce moment où on perd sa virginité, où on découvre une autre facette du monde. On découvre d'autres plaisirs. La jeunesse. Deuxième revenant. Mais oh, mais ça c'était l'époque de Saint-Jean. Non, moi je filme. Hein. Faut mettre ça dans. L'amitié est un réconfort. L'amitié est une poésie, c'est une manière d'écrire sa vie. De partager ce souvenir, nos délires, des ambiances que on ne retrouve pas tous les jours. La jeunesse. Est-ce que quelqu'un se souvient de sa première fois? C'est quoi la première fois pour vous? La première fois que j'étais choqué, c'était quand j'étais à l'école, quoi, en 89, quand j'ai découvert les blancs. Hein. Bah en fait, c'est deux premières fois en une seule fois. Parce que la première fois que j'ai en réalité eu ma première éjaculation. Ok, les choses commencent à devenir très intéressantes. On continue, tout simplement. Comment j'étais stigmatisé, on me disait attention, comment j'étais droit, comment j'étais victime de cette discrimination aiguë de la société. Mais je m'en suis sorti, je me suis relevé plus fort. Sinon, les bêtises de cela ne m'ont pas trop choqué. Ouais. La première fois que tu es né, tu te souviens? Ma mère m'a raconté comment ça s'est passé. Alors vas-y, dis-nous comment ça s'est passé. Un dossier qu'on va faire en cachet. Et cette première éjaculation a eu lieu en fait un soir où j'ai eu d'ailleurs ma première télé. Oui. Dans ma chambre en fait. Hein. Les murs ont des oreilles, Ça c'est le dossier. J'étais dans ma chambre tout seul et j'ai mis la télé. Et j'étais tellement heureux, j'arrivais pas à dormir et j'étais en plein en train de zapper sur les chaînes et je tombais sur une chaîne que tout le monde connaît, je suppose, c'est AB3. Et avec ce programme d'aphrodisia, lorsqu'on voit des gens qui se frottent. Et... Bon, j'avais quoi? J'avais 12 ans et demi, 13 ans. Ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu deux hommes s'embrasser. Alors, et toi Karim, la première fois? Moi, c'est toujours une première fois. C'est ça. Alors, la première fois, ça fait penser au premier petit copain. Au premier qui? Petit copain. Premier petit copain. Et toi, Karim, sérieux, deux secondes, t'as une première fois? Ok, t'inquiète. Bon, avant on se prépare à Dieu, aide-moi. Bon, cette histoire, hein, ça reste entre nous. Hein. C'est la première fois que j'ai couché avec une fille. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Après 10 secondes d'exercice, j'ai fini par jouir. Et je sais pas ce qui s'est passé, je me suis levé, j'ai couru à la salle de bain. Et la fille étonnée, elle vient me rejoindre, elle me demande, pourquoi t'as couru? Et je la regarde, je fais, ben, j'ai peur de tomber enceinte, c'est pour ça que je me suis levé avant de jouir. Et puis là, elle a rigolé, je dis, pourquoi tu rigoles? Elle dit, non, parce que je prends la pilule. Je fais, non, mais tu m'avais pas dit. Elle fait, mais si, je t'avais dit. Puis là, je suis resté là et tout. Bon, ça m'avait quand même choqué, quoi. C'était la première fois. Donc, c'est normal. C'est bon. Concrètement, une éjaculation, je m'en suis foutu partout sur les vêtements. C'était pas une grosse flaque parce que j'avais encore que 12-13 ans et voilà. Et après, justement, à ce moment-là, je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce qui m'arrivait? Est-ce que c'était normal et tout? Et bon, on a forcément un peu le trac d'en parler aux parents. Et on en a parlé aux amis et ils se sont foutus de ma gueule pendant un petit moment en me disant, ouais, c'est pas maintenant que tu devais découvrir ça, mais c'était il y a un minimum 2 ans. Bah écoutez, j'ai commencé la branlette à 12 ans, quoi. C'était mes toutes premières fois. C'était l'éjaculation, l'érection et la télé. Et voilà, quoi. Three, one, two, 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 three, one, two
France. Ok, alors Jiggy, dis-moi, quelle est la première fois qui t'a le plus marqué dans la vie? La première fois qui m'a le plus marqué, ben, c'est la première fois où j'ai pris ma petite fille dans les bras en fait. Oh, c'est mignon. Donc, ben, ouais, c'était bizarre en fait, j'avais peur et j'étais content. Donc c'était un sentiment partagé. Et ouais, ben, j'ai vu que j'avais un petit être dans les mains qui était complètement dépendant de moi et... ça m'a fait très très bizarre. Bon, désolé, il y a de ça qui m'appelle pendant l'interview. Ok, merci. Quand donc n'oubliez pas les enfants, protégez-vous, c'est le plus important. N'oubliez pas la capote, on a plusieurs marques, on a tout là maintenant. Protégez-vous les gars. Okay. Faites pas l'erreur.